Alors, qu'est-ce que le Big Data? Quel rôle joue-t-il dans la société et quel est son impact? Comment l'utilise-t-on au quotidien? En quoi l'intelligence artificielle peut-elle créer une sorte de révolution? Le langage se transforme-t-il via les réseaux sociaux et comment analyser ces nouvelles utilisations du langage? Quel changement pour les statisticiens? Et qu'en est-il de la confidentialité de vos données personnelles? Et si on parle des villes intelligentes, en quoi le Big Data et l'intelligence artificielle apportent-ils des solutions concrètes à des défis réels et récurrents? Personnellement, moi, je considère que les données, c'est quelque chose qui est aussi important que n'importe quelle ressource naturelle. De pouvoir avoir accès à la donnée, ça nous donne accès à la connaissance. Le problème, c'est comment on extrait la connaissance de la donnée qui est souvent un peu pas bien structurée. Donc, comment on fait pour faire percoler l'intérêt de ça? Alors, donc, qu'est-ce que le Big Data? D'abord, on va essayer de s'entendre sur le terme français. En France, ils parlent de mégadonnées. De plus en plus, à Radio-Canada, ils parlent de mégadonnées aussi. Mais nous, je veux dire les membres du CRDM, on pense que le vrai terme devrait être « données massives ». Pourquoi? Parce que le problème du Big Data, ce n'est pas qu'un problème de volume. C'est pas juste parce qu'il y en a beaucoup de données que ça cause un problème. Et donc, c'est parce que ces données-là sont difficilement manipulables. Et le mot « massif » représente, selon moi, beaucoup plus la réalité du Big Data que juste le fait de dire beaucoup de données. Parce qu'on peut avoir beaucoup de données, mais qui sont très bien structurées puis qu'on est très capable de pouvoir les analyser. C'est lorsqu'elles le sont moins que c'est pas. Et donc, la définition que moi, j'aime bien utiliser, c'est la définition des 4 V. Donc, le premier V, c'est le volume. Okay? Donc, vous connaissez tous le MEG. C'est la puissance de mémoire de votre ordinateur, la mémoire vive de votre ordinateur. Vous connaissez le GIG, qui est la puissance de mémoire de votre disque dur. Ceux qui sont des amateurs de vidéos, puis qui veulent tout stocker, tous les films qu'ils ont vus une fois dans leur vie, ont certainement un disque dur de quelques téras chez eux. Donc, on comprend ce que veut dire le téra. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on change d'une unité à l'autre, on multiplie par 1000 la quantité de mémoire nécessaire. Donc, lorsque je passe donc, du téra au prochain élément, qui est le péta, c'est 1000 de plus. En fait, c'est 1024 parce qu'il faut que ce soit une puissance de 2. Ensuite, bien, vous avez l'hexa, le zeta, le iota, le bronto. Et à chaque fois, c'est 1000 fois plus gros. OK? On va supposer qu'un octet... Okay. Un octet, c'est tout simplement 8, une séquence de 8, 0 ou 1. Okay? Donc, ça, on va supposer que l'espace que ça prend en mémoire sur votre ordinateur, c'est l'équivalent d'un grain de riz. De quoi aurait l'air un K? Pour ceux de ma génération, vous avez travaillé avec des ordinateurs qui avaient au plus 16K ou 64K. Donc, c'est quoi un K? Donc, 1000 octets, 1024 octets pour être plus précis. Bien, c'est l'équivalent d'un bol de riz. Votre fameux MEG, qui est votre mémoire vive actuelle, bien, ça serait 8 grosses poches de riz. Si on va au suivant, donc le GIG, ça donne à être, c'est la puissance de votre disque dur, ça serait 3 gros camions remorques remplis de riz. Le Tera, là on commence à parler de plus de volume, c'est des choses qui sont à la limite de ce qu'on connaît. Peta, on commence à parler vraiment de volume. Ça serait comme remplir l'île de Manhattan de riz. OK, prochain, l'Hexa. Ça serait comme avoir la côte ouest américaine qui serait remplie de riz. Le zeta, c'est comme si je remplissais l'océan Pacifique de riz. Okay? Puis finalement, le iota, c'est comme si la Terre, c'était une boule de riz. Et ce qui est assez surprenant, c'est que les gros de ce monde, ce qu'on appelle les GAFA, là, ceux qui sont vraiment en Big Data depuis très longtemps, les Facebook, Amazon, Google, eBay de ce monde, bien, ils sont déjà pris avec l'océan Pacifique. Il y a une autre V aussi qu'on appelle la vélocité. De plus en plus, on va pouvoir aller chercher des données grâce à des senseurs, par exemple des caméras qui vont filmer 24 heures sur 24 pour voir le trafic qu'il y a dans les villes ou des choses comme ça. Ces données-là rentrent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand on veut les colliger, on n'a pas grand temps pour les regarder, pour pouvoir interpréter qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ça, puis pouvoir savoir où est-ce qu'on va les stocker le jour où on va vouloir les utiliser, on va savoir où est-ce qu'elles sont. Le troisième V, c'est la variété. Maintenant, les données rentrent de partout. C'est des données de texte, c'est des données de vidéo, c'est des données d'images, c'est des données de clics de souris, des données de senseurs.
Ils parlent tous de trucs qui nous intéressent potentiellement, mais comment on fait pour faire parler ensemble de données qui sont à ce point-là hétérogènes et à ce point-là non structurées? L'ADN, c'est une suite de caractères. 100 millions de caractères qui sont soit A, soit T, soit C, soit G. Comment on fait pour comprendre le code génétique pour savoir qu'effectivement, telle personne va mal répondre à tel type de traitement ou que tel type de cancer pour cette personne-là va être plus dangereux parce que dans son ADN, je sais qu'il va avoir des effets catalyseurs. Toutes ces informations-là, ils sont dans l'ADN ou en tout cas, ils sont en partie dans l'ADN, mais comment aller les chercher? Le dernier V, c'est la véracité. Oui, on a plein de façons nouvelles d'aller colliger de la donnée, mais attention, on ne peut pas avoir aussi confiance que quand la donnée était colligée par un expert puis que cet expert-là garantissait la qualité. On a plus de données, mais les données sont de moins bonne qualité. Moi, je pense effectivement qu'un des gros défis actuellement qu'on a, c'est le V de la variété. C'est le fait qu'il faut qu'on comprenne comment on fait sortir de l'information de données qui sont non ou partiellement structurées puis qui viennent de trucs qui sont complètement différents. Autre chose aussi que j'aime bien, ce qu'on voit grosso modo, c'est qu'il y a quatre étapes. La première étape, c'est grosso modo comprendre qu'est-ce qui se passe, OK? C'est faire une analyse descriptive, donc. Ensuite, on essaye de faire une analyse diagnostique à partir de nos données. Est-ce que je peux prédire ce qui va arriver? Puis ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour intervenir pour faire en sorte que les choses se passent bien? Les données massives vont forcer le développement de nouvelles méthodes pour entreposer la donnée. Comment on fait pour aller retrouver? Il faut donc qu'on apprenne à nos algorithmes de savoir comment aller retrouver le document qui est pertinent ou les documents qui sont pertinents. Et donc, ça, c'est une première des choses. La deuxième des choses, évidemment, il y a des problématiques de calcul. Un seul ordinateur ne peut pas nécessairement avoir la puissance pour traiter toute la donnée qui arrive. Donc, il faut faire mettre les ordinateurs travailler en réseau. Puis, il faut faire attention de bien les interconnecter pour que le travail ensuite de chacun soit combiné ensemble. Il faut qu'on apprenne à visualiser cette information-là aussi. Et puis, finalement, l'objectif à ça, c'est de réaliser donc les décisions associées. Deux approches importantes pour justement faire le traitement de cette analyse-là. Il y a l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle le machine learning, puis il y a la recherche opérationnelle. Le machine learning, qu'est-ce que c'est? C'est une façon d'apprendre à faire une tâche sans jamais qu'on programme explicitement l'ordinateur pour cette tâche-là à faire. Donc, c'est un nouveau paradigme de programmation. On n'explique pas à l'ordinateur tout ce qu'il doit faire étape par étape. On lui donne un gros paquet d'exemples résolus, puis on utilise donc tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle pour que cet ordinateur-là, en regardant les exemples, soit capable d'inférer une capacité de pouvoir performer la tâche par lui-même par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'apprentissage automatique? Bien, si on donne à un ordinateur 1 million et quelques d'images différentes dans lesquelles on explique à l'ordinateur qu'est-ce qu'il y a dans chacune de ces images-là, l'ordinateur, par des techniques donc de machine learning, d'apprentissage automatique, va être capable d'inférer une forme de prédicteur et pouvoir faire le genre de travail que je vais vous montrer ici. L'ordinateur a donc été entraîné sur un gros paquet d'exemples. Et là, qu'est-ce qu'il est capable de faire maintenant? Il est capable de simplement, en regardant la matrice de pixels, de dire « Ah, il s'agit d'une femme, elle est habillée avec une robe blanche, elle se tient debout avec une raquette de tennis, puis il y a deux personnes en arrière qui ont des chandails verts. » OK? Puis ensuite de ça, je vais être capable de prendre des techniques pour analyser donc les textes, pour être capable d'aller encore plus loin dans ma compréhension de qu'est-ce qu'il y a comme information. On est capable de prendre des données qui ne sont pas nécessairement structurées, pas facilement accessibles pour un ordinateur, et monter sa valeur en leur donnant des informations qui sont plus pertinentes pour ce qu'on est en train d'essayer de chercher. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre avec Anne-Sophie Charret. À vous la parole. Bonjour. Alors, je vais commencer avec qu'est-ce que la statistique et que peut-elle faire pour vous? Alors, qu'est-ce que la statistique? Je vous montre ici la description de notre bac en statistique. Donc, peut-être juste regarder là, les quatre verbes. Recueillir, traiter, analyser et interpréter les données quantitatives sur le monde. C'est vraiment tous des aspects qui sont vraiment liés à ce qu'est la statistique. La statistique, c'est le moyen d'apprendre à partir de données.
Donc, en fait, on parlait tantôt d'apprentissage automatique. Puis François présentait, c'est comme une portion d'apprentissage parce qu'on veut vraiment que l'ordinateur apprenne un peu de façon automatique à faire des choses. Ici, quand on parle d'apprendre à partir de données, ça peut être encore plus vague peut-être. L'idée, c'est juste que j'ai des données puis je veux apprendre quelque chose. J'ai mis quelques exemples ici là, juste pour vous donner un peu une idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec des données quand on parle d'apprendre. Bon, on peut apprendre des choses sur une population à partir d'un échantillon. Et là, on peut penser à tout ce qui est sondages électoraux, l'enquête sur la population active qui est faite par Statistique Canada dans le but d'apprendre, disons, le taux de chômage. On peut aussi faire des choses de prédiction, donc prédire quelque chose, une variable, en fonction d'autres informations. Et là, on se rapproche un petit peu plus de ce à quoi on pense quand on parle de big data des fois. Donc, par exemple, on peut essayer d'identifier vos pourriels si vous avez le moindrement un bon système de gestion de courriels. Il y a plusieurs courriels que vous ne recevez pas. Ils ont été identifiés comme des pourriels. Ce n'est pas que quelqu'un les a lus. C'est qu'on a identifié de façon finalement un peu automatique avec des méthodes statistiques que ce n'était pas un courriel que vous vouliez lire. Prédire le mouvement d'un ouragan, ben, ça peut être autre chose qu'on veut essayer de prédire. Donc, en fait, c'est un peu infini là, les différentes applications. On peut aussi vouloir essayer de comprendre l'effet d'un traitement ou d'une variable sur quelque chose. Donc, un essai clinique, est-ce que je suis mieux d'utiliser le vaccin A ou le vaccin B, de faire tel traitement, de ne pas faire le traitement? C'est toutes des questions où, en fait, on veut apprendre quelque chose sur l'efficacité d'un traitement à partir des données. Ou optimiser un procédé, donc c'est quoi l'engrais que je suis mieux d'utiliser pour avoir un meilleur rendement de maïs, par exemple. Et finalement, mais bon, il pourra avoir encore d'autres exemples, là, mais finalement, on peut aussi essayer de découvrir ce qu'on appelle des patrons. Est-ce qu'il y a des observations qui se ressemblent? Est-ce qu'il y a plusieurs clients dans ma banque qui sont similaires entre eux? Donc, ce genre de choses-là. Alors, c'est quoi l'impact du big data là-dedans? C'est qu'on a beaucoup plus de données. Les données sont beaucoup plus complexes et c'est souvent des données qui sont collectées automatiquement et non dans le but de faire les analyses que je vous ai présentées avant. Donc, parce que le statisticien, si vous vous rappelez, le premier verbe, c'était « collecter ». Collecter les données, le statisticien est impliqué là-dedans en général. Il va planifier la collecte de données avec en tête l'objectif. Si je veux savoir la probabilité que le maire soit réélu aux prochaines élections, je ne vais pas collecter les données de la même façon que si je veux faire plus une étude ou je veux prédire si un vaccin fonctionne ou pas. Là, je ne peux pas prendre les mêmes bases de données. Donc, il faut vraiment collecter les données correctement. Et donc, avec le big data, ça, c'est plus ou moins planifié comme type de collecte de données. Et donc, qu'est-ce que ça a comme impact? Disons, ben, c'est qu'il faut modifier les méthodes statistiques pour l'analyse. Et il y a des choses qui sont des modifications vraiment de méthodes statistiques qui ne sont pas très compliquées, mais il y en a d'autres où il y a vraiment une espèce de révolution, finalement. Là, quand on parle de vraiment grand jeu de données, ben, si je veux calculer simplement une moyenne, bien que mes données sont sur 60 ordinateurs, bon, une moyenne, ça va, je peux la calculer sur chaque ordinateur, puis après, je les combine. Mais si je veux faire des méthodes statistiques plus compliquées, puis que mes données sont distribuées partout sur les ordinateurs, je ne peux plus utiliser ce que je faisais habituellement. Et les aspects computationnels deviennent beaucoup plus importants. Donc, j'ai beau trouver une super méthode, si ça me prend des heures et des heures, des jours ou des mois de calcul informatique parce que j'ai beaucoup de données ou parce que c'est compliqué, ça ne fonctionnera pas. Mais ça augmente aussi les possibilités pour apprendre à partir de données. Donc, en termes statistiques, apprendre à partir de données, le big data, c'est sûr que ça décuple finalement nos possibilités pour faire de l'apprentissage. Donc, le big data, c'est un peu comme la statistique, mais avec des petites complications finalement. Donc, la confidentialité dans tout ça. Bien, l'utilisation de données personnelles, encore une fois, avant le big data, vos données étaient utilisées. Vous devriez avoir rempli le recensement en 2016, j'espère. C'était obligatoire en 2016. Donc, vos données personnelles, vous les avez fournies, c'était utilisé et il n'y avait pas encore ce qu'on appelait le big data. Bien, le recensement, ce n'est pas quelque chose dont on parlerait comme étant du big data. Mais vos données personnelles ont été collectées. Vous avez peut-être répondu à d'autres sondages. Vous avez peut-être fourni des données personnelles sous plein de façons différentes. Il y a beaucoup de recherches et beaucoup de travaux sur diverses méthodes pour protéger la confidentialité de vos données. Si vous voulez, par exemple, utiliser des données de Statistique Canada, vous ne pouvez pas simplement appeler Statistique Canada, leur demander de vous envoyer un fichier ou aller sur Internet. Il faut présenter une demande claire, dire quelles données vous voulez, pourquoi vous voulez les obtenir. Et là, vous devez vous rendre dans un centre spécial de Statistique Canada pour avoir accès aux données. Et donc, ça, c'est une première mesure, finalement, pour protéger votre confidentialité.
Ensuite, ben, des fois, on va partager uniquement certaines données qui ont été agrégées, c'est-à-dire que le recensement, par exemple, on ne va pas publier les réponses au recensement de tous les individus. On va publier de l'information un petit peu plus agrégée. Ensuite, ben, c'est ça, ça se peut qu'on doive modifier les données ou modifier les résultats avant de les publier. Et donc parfois, on a l'impression que si on fait juste enlever le nom des individus, ça va, c'est protégé. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Puis il y a plein de petits exemples récents et moins récents où on a réussi à finalement un peu identifier de l'information sur les individus, même si leur nom, adresse, numéro de téléphone avait été enlevé. C'est-à-dire qu'on peut faire des regroupements puis apprendre des choses sur vous. Mais là, on est au courant, les statisticiens et les gens qui collectent vos données, donc on fait attention à modifier les données si c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut rajouter des valeurs aléatoires. Donc, vous répondez, vous dites que vous avez 53 ans, mais nous, on publie que vous avez 55 ans. Juste pour s'assurer que quelqu'un ne peut pas vous retrouver directement dans le jeu de données. Et donc, il y a plein de modifications comme ça qui peuvent avoir lieu. Et quand on le fait, bien là, c'est documenté aussi dans les données qu'on vous envoie. Et disons, l'extrême, c'est de créer des jeux de données qui sont complètement synthétiques. Et donc, ça fait partie d'un de mes sujets de recherche. Et là, l'idée, c'est de dire, je vais créer des données qui ressemblent à l'information des personnes, que les personnes m'ont acheminée, mais ça ne sera pas sur eux. Ça va être comme sur des fausses personnes qui n'existent pas, mais ils vont assez ressembler aux données pour être utiles, mais être assez différentes pour ne pas révéler d'informations sur les individus. Et là, ben, y a plusieurs façons de mesurer qu'est-ce que ça veut dire révéler de l'information sur les individus. Mais l'objectif, c'est toujours de maximiser l'utilité tout en s'assurant de minimiser les risques de divulgation de vos informations confidentielles. Et là, ben, l'impact du big data ici, alors je vous rappelle, le big data, qu'est-ce que ça fait? Ça me donne plus de données, des données plus compliquées et des données qui n'ont pas nécessairement été collectées dans le but d'être collectées finalement. C'est des données. C'est un peu avec l'informatisation, tout ce qu'on fait, c'est quelque part dans un ordinateur. Et donc, les données sont juste collectées comme ça. On n'a peut-être pas le temps de réfléchir à l'avance à comment les rendre confidentielles. Et donc, les impacts du big data dans ce domaine-là, bien, ça nous prend des façons différentes de mesurer la confidentialité. Avant, c'était plus simple parce qu'on savait que ce que nous, on publiait comme données, bien, c'était une bonne partie des données qui étaient publiées. Statistique Canada savait qu'est-ce qu'il publiait, savait qu'est-ce qu'il avait publié, savait qu'est-ce qu'il allait publier. Et c'est comme ça, c'est plus facile de s'assurer que ce qu'on publie est confidentiel. Mais là, maintenant, il y a tellement d'informations qui sont disponibles partout sur Internet, il faut tenir compte de tous ces autres jeux de données-là qui sont disponibles pour s'assurer qu'on ne puisse pas faire des croisements. Et donc, ça rend beaucoup plus difficile là, des définitions, finalement, ou des mesures de la protection de confidentialité. Mais on travaille à faire ça. Et ça prend aussi une nouvelle méthode de protection. Donc, avec la façon avec laquelle on veut partager les données et les plus grands nombres de données, ben, il faut qu'on développe des nouvelles méthodes pour protéger vos données. Mais ça fait, par exemple, que vos données peuvent avoir un impact encore plus grand. Parce qu'à cause du big data, comme on a vu, il y a des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer faire avant. Quand on parle du big data, bien, c'est vrai que c'est une révolution dans ce qui est vraiment l'apprentissage à partir de données. Donc, une révolution en statistique ou dans le but d'apprendre à partir de données. Mais je voulais quand même vous rappeler que ça s'inscrit dans une espèce de tradition statistique, là. Et parfois, quand on parle de l'utilisation du big data, bien, en fait, des fois, on n'est même pas rendu au big data. C'est vraiment l'utilisation de statistiques. Et vous aviez comme pas réalisé peut-être que c'était utilisé avant parce que c'était on en discutait moins. Donc juste de faire un petit peu ce lien-là. Le big data offre toutes sortes de nouvelles possibilités, mais évidemment, ça vient quand même avec un certain risque en termes de confidentialité de nos données. Mais bon, on a rien sans rien, là, donc on a de l'utilité, mais il y a des petits risques. Alors, ben, c'est à nous, finalement, de soupeser les avantages et inconvénients. Nous, on est ici pour… il y a des gens qui travaillent à essayer d'apprendre mieux avec vos données, des gens qui travaillent fort pour essayer de les garder confidentielles, mais c'est un peu aussi à vous de voir… pour quels avantages vous êtes prêts à sacrifier quelques petits inconvénients. Moi, je suis ici ce soir pour vous parler du langage dans les données massives. Les études ont montré qu'il y a jusqu'à 80 % des données dans les données massives qui sont ce qu'on appelle des données non structurées, c'est-à-dire dans la majorité des cas, du texte écrit en langage naturel par des utilisateurs plus ou moins sans contrainte. Ça représente donc une quantité faramineuse de texte. C'est
plus que les textes qui ont été écrits dans l'histoire de l'humanité. Et à ça, on en ajoute une quantité incroyable. À chaque minute, par exemple, depuis que je viens de commencer à parler maintenant, on a écrit 158 millions de nouveaux courriels, 3,8 millions de nouvelles requêtes faites sur Google, 467 000 nouveaux tweets postés, 293 000 nouveaux statuts Facebook, 26 000 critiques de services ont été ajoutées sur Yelp et 1 500 nouveaux blogs ont été écrits sur WordPress, pour ne nommer que certains des sites les plus connus. Tous ces textes sont pour nous une source inestimable d'informations. Il y a d'abord de l'information sur le contenu, donc les sujets qui intéressent les personnes, les sujets dont les personnes parlent, les informations qu'ils sont en train de partager les uns avec les autres. C'est déjà très intéressant et très informatif pour nous d'apprendre ça. Mais il y a également une dimension humaine sur ces textes-là, parce que les gens ne sont pas simplement en train de citer des faits, ils sont en train de partager des opinions. Donc, c'est beau d'avoir le contenu, mais on veut aussi savoir qu'est-ce que les gens ressentent par rapport à ce contenu. Est-ce que ça les rend heureux? Est-ce que ça les rend tristes? Est-ce qu'ils trouvent ça amusant? Est-ce qu'ils trouvent ça enrageant? Les gens ne sont pas en train d'écrire des textes pour les laisser dans le néant, ils sont en train de les écrire pour les partager. Il y a tout un aspect d'interaction sociale dans les textes qu'on trouve dans les données massives qui est très intéressante et importante à étudier. On vous a déjà parlé, bien sûr, du volume et de la vélocité, qui sont deux grands défis à leur propre droit. Mais à ça, j'aimerais ajouter aussi la qualité des données. On est très loin aujourd'hui de l'époque où est-ce qu'un texte devait être révisé et corrigé par une armée d'éditeurs avant d'être publié. Aujourd'hui, pas mal n'importe qui peut écrire n'importe quoi, n'importe quand. Et le résultat, c'est que les gens ont tendance à écrire avec un langage très détendu, très familier, très informel, avec aucune considération réelle pour les règles de grammaire et d'orthographe, même de l'épellation. Et paradoxalement, avec ça, ils ont tendance à adopter leurs propres nouvelles règles du langage. Donc, des nouvelles conventions du langage, nouvelles abréviations, nouveaux acronymes, comme le célèbre LOL, qui a un sens très connu et très clair. Des nouvelles règles d'utilisation. Par exemple, si on veut envoyer une correction, bien, on envoie un message qui commence par un astérisque, c'est ensuite la correction qu'on veut envoyer. Ce sont toutes des nouvelles règles d'utilisation du langage qui n'ont pas été développées ou imposées par un organisme du langage, mais qui ont été développées spontanément et adoptées popularement par les utilisateurs pour organiser le chaos de leur communication. Premier sujet de recherche que je voulais vous présenter, c'est la normalisation de texte. Donc, comme je vous ai mentionné, les gens écrivent sur Internet sans aucun souci d'épellation correcte. Ils peuvent écrire leurs mots à peu près n'importe comment avec une infinité de variations possibles. Ça reste tout à fait compréhensible pour nous autres humains, mais pour un ordinateur, c'est impossible à comprendre. Si le mot n'est pas reconnaissable immédiatement dans un dictionnaire, ça ne veut absolument rien dire pour l'ordinateur. Il y a plusieurs chercheurs qui sont penchés sur la question. Il y a plusieurs solutions donc, qui ont été proposées. Par exemple, des dictionnaires contextuels, c'est-à-dire un dictionnaire dans lequel on n'a pas simplement une liste de mots, mais on a des morceaux de phrases. Ensuite, lorsqu'on a un mot inconnu dans une phrase, bien, on peut chercher, non pas le mot, mais la phrase au complet dans le dictionnaire, trouver le contexte correct et voir c'est quoi le mot correct qui se trouve dans cette phrase-là. D'autres chercheurs ont développé des algorithmes de traduction, donc ils partent de la supposition que le langage utilisé sur Internet, ce n'est pas juste du français ou de l'anglais avec des erreurs, mais c'est une nouvelle langue au complet. Et ensuite, ils entraînent des systèmes de traduction de l'Internet au français ou à l'anglais. Certains autres chercheurs ont développé des règles de substitution, donc ils ont réalisé que les utilisateurs ne sont pas en train de faire des fautes aléatoirement, mais qu'il y a des règles dans ce chaos, il y a des règles dans ces fautes qui dictent un peu comment les mots vont changer. Et en étudiant ces règles, ils sont capables de prédire les variations des mots qu'on devrait observer, un peu comme les exemples que vous voyez en haut ici. Finalement, une approche qu'on a essayée ici à l'université, c'est la transcription phonétique. Donc, on a réalisé que les mots sont épelés un peu n'importe comment visuellement, mais si on était capable de les lire à voix haute, ils sonneraient corrects. Un deuxième domaine dans lequel on est actif, c'est la détection de sentiments. Donc, je vous ai dit, il n'y a pas juste du contenu, il y a une dimension humaine, qu'est-ce que les personnes ressentent par rapport à ce contenu. Lorsque le contenu, c'est par exemple un éditorial de journal bien écrit et assez long,
c'est facile de déterminer c'est quoi l'opinion de l'auteur. On a juste à chercher quelques mots-clés dans le titre et dans le premier paragraphe, et on est, notre horloge est réglée instantanément. Lorsqu'on parle de texte et de langage sur, dans les données massives sur Internet, ce n'est pas aussi facile. On voit dans les exemples de tweets qu'on a ici, ils ont tous en commun le mot « love », « amour ». On pourrait penser donc par mot-clé que c'est des tweets d'amour, mais ce n'est clairement pas le cas. Il y en a qui en sont, il y en a un qui est un message de condoléance, il y a une joke, il y a du sarcasme. Il y a plein d'utilisations différentes et des sentiments différents. Lorsqu'on est dans une situation comme ça, on va plutôt chercher des attributs des messages, donc des caractéristiques qu'on peut observer et quantifier dans le message. Par exemple, la polarité du vocabulaire, la présence de négation, de sarcasme, la présence de lettres répétées, des erreurs d'épellation, comme je vous parlais tantôt. Par exemple, si quelqu'un a écrit un message pour dire que quelque chose est « cool », ben c'est clairement beaucoup plus « cool » que juste « C-O-O-L ». Le troisième aspect, ensuite, c'est l'aspect social des communications. Donc, les gens ne sont pas en train de simplement d'écrire des messages, ils sont en train de les partager dans des communautés virtuelles, certaines d'entre elles qui dépassent de loin les milliards d'utilisateurs. C'est plus grand que n'importe quel pays sur Terre. Si on voulait faire des études sociales avant, il fallait prendre un échantillon de personnes et les mettre dans un environnement contrôlé. Maintenant, on peut observer des populations entières, entre guillemets, dans la nature. Par exemple, on peut étudier qui communique avec qui écrit à qui plus fréquemment. Et à travers ça, on est capable de découvrir les formes des communautés. Par exemple, les chercheurs américains qui ont essayé ça aux États-Unis ont trouvé que les États-Unis sont composés essentiellement de 7 communautés qui interagissent beaucoup entre elles et pratiquement pas à l'extérieur. On peut découvrir des réseaux d'influence et de confiance. Donc, pas simplement qui parle avec qui, mais qui écoute qui. Qui fait confiance à qui? C'est le saint graal essentiellement du marketing sur Internet et des systèmes de recommandation, d'être capable non pas de convaincre une personne d'acheter les produits, mais convaincre un meneur d'opinion qui, à travers lui, on va être capable de convaincre beaucoup de monde. On peut également faire de la détection d'événements. Donc, si soudainement, une grande quantité de nos utilisateurs se mettent à parler du même sujet en même temps, ça nous donne un pic d'utilisation comme celui que vous voyez en bas ici. C'est généralement indicateur que quelque chose d'important vient de se produire par rapport à ce sujet-là. Et les études ont montré que c'est un moyen plus rapide et plus efficace d'avoir des nouvelles que d'écouter les chaînes 24 heures. On peut également découvrir beaucoup de choses sur la personnalité des individus à travers le langage qu'ils utilisent, donc la fréquence à laquelle ils écrivent, les pronoms qu'ils utilisent, ça nous donne une fenêtre dans leur pensée, dans leur personnalité. Et les opinions du public à travers la masse des messages. Vous l'avez sans doute remarqué, on n'a plus un débat politique à la télé qui n'est pas immédiatement suivi par les chaînes de nouvelles qui vont aller lire Twitter à l'écran pour nous dire qu'est-ce que les gens en pensent. Les comportements positifs que je viens de décrire ne sont pas les seuls qu'on peut étudier dans les communautés. Également, d'intérêt sont les comportements négatifs ou les comportements toxiques. Par comportement toxique, on peut penser au cyberharcèlement, à la radicalisation, la pédophilie, la violence verbale, toutes sortes de comportements qu'on cherche à éradiquer autant dans nos communautés réelles que dans les communautés virtuelles. Donc, on est dans une situation où est-ce que l'utilisateur est un adversaire. C'est un autre défi. L'utilisateur ne veut pas être aidé par nos systèmes ou aider nos systèmes. Il veut les combattre et les déjouer. Et finalement, il y a le défi que c'est une tâche très subjective avec beaucoup de faux positifs. Un message peut sembler toxique pour une personne, mais être anodin pour une autre ou être le résultat de deux bons amis qui ont une chicane amicale. Moi, on m'a demandé de vous parler concrètement de comment on utilise le big data, l'analytique, puis aussi l'intelligence artificielle pour bâtir les villes de demain. Donc, essentiellement, nous, on pense que l'intelligence artificielle, ça va être... Aujourd'hui, on croit vraiment que l'intelligence artificielle va être une révolution et que les villes intelligentes vont en avoir besoin. Il n'y aura pas de ville intelligente sans intelligence artificielle.
Vous connaissez sûrement les premières cartes d'embarquement avec Air Canada. Ça a été une compagnie du Québec qui a lancé ça. C'était notre entreprise qui a été acquise en 2010. On a lancé le premier stationnement, les premiers paiements des stationnements avec les eurodateurs à l'époque. Plus récemment, Chronométrique qui fait patienter librement au lieu d'attendre dans les cliniques sans rendez-vous. Vous pouvez maintenant attendre à la maison. On a lancé en fintech Meto, un algorithme d'intelligence artificielle qui fait de l'extraction d'informations financières en 30 secondes, ce que plusieurs analystes font en plusieurs semaines, donc plusieurs personnes. Mais celle qui a pris beaucoup d'ampleur au cours des 18 derniers mois, c'est vraiment B-City, qui a été vraiment une première internationale. On vient de compléter une tournée au Canada puis aux États-Unis. Puis on a une avance en tant qu'entreprise. Puis c'est une entreprise du Québec qui va commencer à développer sa plateforme à l'international. Depuis 2008, on a atteint maintenant les villes. Il y a 50 % de la population planétaire qui vivent dans les villes. C'est du jamais vu. Puis on va avoir en 2050 70 % de la population mondiale qui va vivre dans les villes. C'est vraiment le siècle des villes. Les villes aujourd'hui, les maires doivent prendre de plus en plus des décisions à des problèmes complexes. Et souvent, ce sont des problèmes d'envergure internationale. Si on parle des changements climatiques, quand il y a un événement, une catastrophe naturelle qui arrive, qui touche votre ville, bien, ce sont les maires qui sont en première ligne pour répondre puis trouver des solutions. Donc, de plus en plus, les maires vont prendre de plus en plus... les villes vont devoir intégrer l'intelligence artificielle pour faire face à des défis qui sont énormes. Les villes fonctionnent essentiellement des systèmes informatiques, mais les systèmes sont en silo. Donc, les systèmes en silo, c'est des systèmes qui ne se parlent pas. Et c'est de l'analyse uniquement verticale qu'on fait. Pour pouvoir vraiment avoir une ville intelligente, on doit partir d'un environnement fragmenté, un environnement silo à un environnement entièrement intégré, de manière à rassembler toutes ces données-là. Puis là, c'est là qu'on parle de big data. Puis pour l'instant, on parle encore de big dirty data, nous, quand on touche aux villes aujourd'hui. Quand on se connecte dans les systèmes, on commence de plus en plus à intégrer ces systèmes-là. On voit beaucoup d'incohérences dans les systèmes, puis il faut les faire un par un. C'est pas la partie la plus intéressante qu'on va faire, mais au cours des prochaines années, on va intégrer de plus en plus de systèmes. Chaque ville peut intégrer en moyenne 200 systèmes, services numériques. Ça veut dire 200 systèmes qui sont distincts. Puis quand on parle de ville intelligente, on ne parle pas juste des systèmes d'une ville, que ce soit, mettons, le système de la bibliothèque, le système d'enregistrement pour les loisirs. On parle aussi de la ville, de la vie urbaine, donc aussi de la mobilité intelligente, l'accès au transport en commun, l'accès à la voiture. Donc notre vision à nous, c'est de dire aujourd'hui, pour une ville intelligente, on connecte les systèmes pour essayer d'améliorer les communications entre les citoyens et les villes. Mais après, on veut intégrer de plus en plus la vie urbaine, donc vraiment comment les citoyens peuvent interagir entre eux. Nous, ce qui nous passionne, c'est vraiment de développer des innovations, appliquer le savoir pour améliorer la vie des gens. Essentiellement, la ville, elle est dans un contexte où les technologies sont accélérées. Il y a des changements climatiques. Il y a de plus en plus de gens qui vivent dans les villes avec de la diversité. Ça va permettre, en intégrant comme ça ces données-là, ça va permettre aux villes de effectivement mieux prédire, mieux anticiper les besoins des citoyens, puis prendre des décisions beaucoup plus efficacement. La plateforme B-City, c'est un système de systèmes. Donc, notre objectif, c'est de manger l'éléphant à petite cuillère, parce qu'on va en avoir pour plusieurs années, mais c'est d'intégrer les systèmes les plus importants de la ville, puis d'avoir un roadmap sur les 10 prochaines années, sur qu'est-ce qu'on va connecter en priorité pour commencer à avoir des interactions puis des données sur les habitudes de vie ou les habitudes de vie. Donc, on connecte les systèmes, on centralise les données. On s'assure de respecter la vie privée, l'anonymat, le plus possible. Donc, il va falloir travailler très fort, mais c'est important. Et puis, on pense aussi comme les Google et Facebook sont sous surveillance aujourd'hui. Vous ne savez pas, mais on donne souvent accès à notre information. Aujourd'hui, souvent, moi, le matin, mon téléphone me dit combien de minutes pour me rendre à mon café. Donc, essentiellement, ils ont déjà accès à des données. Il faut que les prochaines plateformes se positionnent comme un élément de confiance avec le citoyen. Donc, ces données doivent être absolument confidentielles. On veut utiliser le blockchain pour s'assurer de la transparence puis de la sécurité de ces données-là, puis que ces données-là ne soient pas jamais utilisées pour la revente à Google pour des fins marketing, mais que ça soit uniquement utilisé pour servir au bien-être de la ville. Donc,
Donc, essentiellement, on connecte, on centralise les données, on analyse, on fait de l'analyse pour entrer dans l'ère de la recommandation. Donc, si le citoyen demande à recevoir de la recommandation, avec un système comme ça, on va pouvoir commencer à lui faire de la recommandation puis sensibiliser vers où la ville devrait amener ses citoyens. Si on regarde du côté plus maire, plus ville, ça va lui donner des données vraiment riches pour pouvoir mieux anticiper, prendre des meilleures décisions. Elle va pouvoir aussi comparer sa gestion par rapport à des villes de sa taille. On a lancé l'entreprise il y a maintenant 18 mois. On a signé une ville par mois. Donc, essentiellement, on a 16 villes de signer, 10 villes de déployer, ce qui n'était pas évident. Déployer, c'est facile d'avoir une vision, d'être animé par des choses, mais quand il faut concrètement connecter ces systèmes-là, ça a été un grand, grand challenge. Mais les villes nous ont dit, après un an, les villes qui l'ont implanté, ils nous ont dit qu'ils ne se parlaient jamais. Puis maintenant, depuis qu'ils ont installé B-City, bien, ils se parlent à tous les mois. Donc, ne serait-ce que juste d'avoir implanté une plateforme de collaboration entre les villes pour prendre de meilleures décisions, c'est déjà un gain énorme, et ça, c'est seulement qu'en un an. Si on regarde la ville de Brossard, qui était la première à qui on a implanté le système, il y avait des goulots d'étranglement la journée de grande affluence, donc l'inscription pour les camps de jour. C'est absolument important. Tout le monde, il faut qu'ils trouvent un camp de jour pour leur enfant. Il y avait en moyenne 350 personnes qui se rendaient sur place pour inscrire leur enfant. Et il y avait 3h45 d'attente à la ville. Après un an, il y avait 5 personnes qui se sont présentées, puis 2 minutes d'attente. Et ça, on n'est même pas dans le big data. Là, on est juste dans l'implantation de numérisation de processus qui ont été implantés dans d'autres segments. Juste, on regarde juste l'utilisation de la carte numérique au lieu de la carte plastifiée, la carte citoyenne, c'est un gain d'1 million dans une année. Parce que 80%, après 6 mois, 80% des gens, au lieu d'aller se présenter pour avoir une carte plastifiée citoyenne, ont opté pour une carte numérique. Donc, c'est des gains immédiats en argent qui permettent de retomber puis réutiliser cet argent-là pour la ville puis pour les citoyens. Donc, essentiellement, l'intelligence artificielle, pourquoi on y croit, c'est quand même 25 ans que ça aurait pu lever, mais c'est sûr que depuis 2 ans, on en parle plus. J'aime bien l'analogie parce qu'essentiellement, avec le cloud, avec le cloud, ça nous a permis d'accéder à des systèmes par milliers dans le monde, puis ça nous a permis de créer finalement une autoroute, de développer des algorithmes très puissants à faible coût. Donc, on n'a plus besoin d'être IBM puis d'investir des milliards de dollars pour avoir des algorithmes puissants. Donc, d'un côté, on a le cloud, c'est l'autoroute. Les meilleurs algorithmes, depuis 2 ans, on a commencé à développer des algorithmes, puis on en a parlé tantôt, qui peuvent apprendre maintenant. Donc, on a des moteurs plus puissants. Puis, on a le big data qui arrive, qui est l'essence. Donc, on a une autoroute, des moteurs avec l'essence. On est équipé pour aller plus loin, plus vite. J'aime bien l'analogie ici des centaures. Si on regarde Kasparov, qui était le meilleur joueur d'échecs au monde, quand ça a été le temps de jouer contre un algorithme d'intelligence artificielle, la première fois, il a gagné, mais on parle surtout de la deuxième fois où il a perdu. Donc, lui, il s'est dit après, c'est que si la machine a le droit d'utiliser l'analytique puis le big data, moi aussi, j'y ai le droit. Donc, ça a été la naissance du centaure, donc soit l'être humain plus l'accès à des algorithmes d'intelligence artificielle. Et jusqu'à ce jour, il n'y a aucun algorithme d'intelligence artificielle qui a battu un centaure. Donc, notre vision à nous, c'est de créer les maires centaures, les villes, les dirigeants centaures et les citoyens centaures. Donc, en utilisant bien le big data et l'intelligence artificielle, on va rentrer dans l'ère de la recommandation puis on va permettre aux citoyens de prendre des meilleures décisions. La même chose avec les villes. Essentiellement, on a lancé la banque de connaissances. Les villes ont accès à beaucoup de connaissances dans les villes qui ne sont pas disponibles au public. Donc, on a développé un système très basique qui permet de maintenant un petit moteur de recherche comme à la Google, mais qui permet de trouver rapidement de l'information. Le stationnement intelligent, on a développé un algorithme. On sait que, bon, comme on l'avait déjà fait, on avait lancé le stationnement, le paiement des eurodateurs. On a décidé de lancer avec la ville de Sherbrooke. Donc, on sait déjà que le stationnement, il y a à peu près 30% qui tourne en rond pour trouver un stationnement, donc avec les impacts négatifs que ça a sur la pollution. L'idée, c'est qu'on a développé un algorithme qui permet d'apprendre en fonction de la température, des événements d'une ville, de la journée ou de l'heure, de pouvoir prédire l'affluence sur une rue pour pouvoir, dans la suite, me proposer des places, en fonction de où je m'en vais, de pouvoir me proposer des places de stationnement.
Le deuxième algorithme, ça pourrait aussi de réserver ma place de stationnement. On sait que les gens ne veulent pas tourner en rond, sont prêts à payer pour réserver leur place de stationnement. Les bottins récupérateurs, la même chose. Là, on peut utiliser le téléphone plus pour de la reconnaissance visuelle. Donc, si je veux cet écran-là, s'il est plus fonctionnel, je pourrais, avec mon téléphone, juste capter l'écran puis sur une carte me dire où sont les récupérateurs autour de moi. Donc, ça, c'est un élément qu'on a lancé. La gestion de requêtes, bon, ça, aujourd'hui, on peut prendre une photo d'un nid de poule, puis je vais l'envoyer à la ville, puis je vais recevoir un feedback sur la réparation. L'idée où on peut intégrer l'intelligence artificielle après, c'est de dire comment je peux utiliser le deep knowledge, la reconnaissance visuelle, pour que, en fonction de la photo que j'ai prise, ça soit directement dispatché au service qui va l'utiliser. On peut aussi utiliser, aujourd'hui, c'est déjà possible, mais je pourrais utiliser mon téléphone puis demander à mes citoyens de mettre l'application AON, puis mon téléphone pourrait capter les vibrations de ma voiture quand je me promène, puis de capter tout ce big data-là, puis me dire l'état des routes dans ma ville. Donc, c'est des choses qu'on pourrait faire, qu'on regarde quand est-ce qu'on va pouvoir les déployer. Consultation citoyenne, on a lancé avec la loi 122, là, qui permet aux villes de ne pas nécessairement de faire référendum, mais s'ils ne font pas de référendum, ils doivent être capables de démontrer qu'ils ont consulté la population. Donc, ça nous permet... C'est un système qui permet effectivement de faire de la consultation puis de permettre aux citoyens de participer. Mais pour encore là, on regarde les prochains développements où on pourrait avoir un modérateur algorithmique qui peut modérer les discussions pour capter les solutions qui viennent des citoyens. Quand vous appelez la ville, vous l'appelez entre 9h et 5h, puis vous attendez sur la ligne pour avoir une réponse. Vous imaginez la personne qui doit répondre, elle doit, une fois qu'elle vous a parlé, si vous avez des questions sur vos taxes, elle doit changer de système pour aller dans un système sur les taxes, répondre. Mais après ça, vous avez une question sur votre livre en retard à la bibliothèque. Vous devez sortir du système pour rentrer dans un autre système. Et puis là, votre fils n'a pas été inscrit au camp de jour. Vous devez sortir du système pour faire ça. Donc, ne serait-ce que juste de connecter des systèmes de base qui sont des questions les plus fréquentes posées. On vient de sauver un gain énorme qui est bénéfique pour vous puis qui est bénéfique pour la ville. Donc, essentiellement, notre but, c'est de commencer à la base puis de dire où sont les gains pour le citoyen et pour la ville qui vont sauver des coûts énormes. Puis ces argents-là, bien, au lieu d'avoir des augmentations de taxes, vous aurez des gains parce que la ville doit aussi financer. Donc, elle peut subventionner. Son rôle à elle, ce n'est pas d'être profitable comme une entreprise. C'est d'utiliser les taxes pour améliorer la vie de ces gens. Donc, à partir du moment où elle a fait des gains d'efficacité qui sont à la portée de tout le monde, là, qui peuvent être faits aujourd'hui, ces gains-là peuvent être redonnés pour améliorer la qualité de la vie. Moi, je dis souvent, une ville intelligente, c'est une ville où il n'y a pas de pauvreté. Hein? Donc, comment on s'y prend? Ne serait-ce que juste donner l'accès plus facilement à une bibliothèque, donner accès plus facilement au bien, à la ville, on vient déjà d'atteindre des gains qui vont permettre d'améliorer la qualité de vie. Puis nous, notre point, c'est toujours le citoyen. Donc, quand les villes nous disent « c'est à qui les données? », nous, on dit « c'est pas à vous, c'est aux citoyens. » Vous êtes fiduciaire de ces données-là, mais les données appartiennent aux citoyens. Et c'est le citoyen qui va driver les choix des solutions qu'on va implanter au fur et à mesure. Il faut faire très attention à l'information qu'il y a dans les données. Une approche où on analyse les données puis on essaie de faire percoler l'information, c'est ce qu'on appelle une analyse de type « bottom-up ». OK, effectivement, ça a toujours le défaut du fait que c'est pas nécessairement la vérité qu'on trouve, c'est pas nécessairement la cause qu'on trouve. On trouve des patrons de corrélation et des choses comme ça. Et bien sûr, il faut pas prendre nécessairement toutes ces informations-là comme étant toujours une vérité absolue. Mais en contrepartie, on a accès quand même à des informations de type nouvelle grâce à ces approches-là qu'on n'avait pas avant. Et c'est à nous d'en faire un bon usage. Il y a beaucoup de recherches à ce niveau-là, et c'est sûr qu'au privé, ce n'est pas la même chose que ce qui se faisait avant les institutions publiques, dans le sens où, disons, Statistique Canada, l'Institut statistique du Québec, le Census Bureau, toutes ces grosses instances-là ont des gens qui travaillent en confidentialité, ont des chercheurs qui réfléchissent à ça.
En fait, à chaque endroit, ils ont des règles différentes. Donc, c'est difficile de dire, là, si on fait ça, c'est correct qu'on protège la confidentialité. Chaque pays, chaque collecte de données a des règles précises. Et donc, parfois, on va dire à la personne que ça sera impossible de la réidentifier. Parfois, la loi demande simplement que ce soit très difficile. Donc, disons, si ça me prend une quantité très importante de temps et d'énergie pour réussir à identifier quelqu'un, c'est satisfaisant comme protection. Et donc, l'idée, c'est que, en général, quand on travaille dans les organismes publics, bien, il y a des règles précises et, en général, on fait signer un formulaire de consentement qui est, un peu moins long que les formulaires des compagnies privées, Google et compagnie. Et ça dit précisément quand même un petit peu plus qu'est-ce qu'on veut faire avec. Il y a des lois qui entourent tout ça et il y a des sortes de consensus un peu à ce niveau-là. Aussi, bien, chacun a des différences, finalement, avec ce qu'il est capable d'accepter comme confidentialité. Fait que ça, il y a un petit peu de recherche à ce niveau-là, d'essayer de voir, d'aider les gens, finalement. Et ça, c'est moins de la statistique, mais il y a des gens qui travaillent à essayer de faire dire aux gens qu'est-ce qu'ils recherchent comme confidentialité pour essayer de créer des formulaires plus clairs, des mesures plus claires de confidentialité pour vraiment venir chercher l'individu. Qu'est-ce que lui, il veut? On sait très bien que les chercheurs, s'ils ont accès à des données, par exemple, de la RAMQ, vont être capables de pouvoir aller beaucoup plus loin dans leur recherche, par exemple, sur ce qu'on appelle la médecine de précision, trouver le bon médicament pour la bonne personne, que si on leur refuse cet accès à ces données-là. Mais si on donne accès à ces données-là, il y a une possibilité qu'il y ait des fuites d'informations. Puis là, on parle des données de la RAMQ, donc on parle des données à peu près les plus sensibles qui existent. Qu'est-ce qu'on fait? Okay? On a un compromis de société à faire, là. Est-ce qu'on dit non, on ne croit qu'à une seule chose, c'est la protection du citoyen, mais à ce moment-là, la société passe à côté de découvertes qui pourraient avoir un effet très positif, là. Ou alors on dit, bien, on va essayer de faire un espèce de compromis, on va s'arranger pour le faire de façon la plus encadrée possible. Mais en même temps, on est conscient que si on ouvre les données, il y a une possibilité accrue de fuite. La loi dit, grosso modo, que les compagnies sont responsables, sont fiduciaires de la donnée qu'ils ont colligée. Et donc, ils n'ont pas le droit, normalement, de les vendre ou de les distribuer, etc. Ils sont même tenus, lorsqu'ils se font voler leurs données, de faire une déclaration obligatoire pour ce genre de choses-là. Malheureusement, entre cette théorie-là et la réalité, ce n'est pas tout à fait la même chose qui se passe. Il y a effectivement des compagnies qui se spécialisent dans la collecte de données et la revente de données. Et ça va prendre, à un moment donné, une réflexion de ce côté-là pour voir comment on doit protéger le citoyen au mieux possible. En France, ils ont quelque chose d'assez intéressant. Ils considèrent que les individus sont propriétaires de leurs données. C'est un des aspects qu'ils essayent de voir pour régler ce problème légal-là. Et donc, vous donner un consentement qu'on puisse utiliser vos données. Au Québec, on a quand même certaines lois en place. On n'est pas propriétaire de nos données comme en France, mais les compagnies qui collectent nos données sont requises de nous dire exactement qu'est-ce qu'elles collectent et qu'est-ce qu'elles vont faire avec. Alors, si vous lisez, par exemple, un contrat de Desjardins pour l'app Ajusto, vous trouvez exactement ces informations, qu'est-ce qu'ils mesurent, où est-ce qu'ils l'envoient, à quoi c'est utilisé. Ils n'ont pas le droit de sortir de ce contrat, qui est d'ailleurs un contrat légal qu'ils ont avec vous. Mais ça, c'est le Québec, c'est loin d'être universel. Une autre chose qu'on a au Canada et au Québec, c'est une nécessité que les compagnies n'ont pas le droit d'envoyer vos informations à l'extérieur du pays. Les autres pays, évidemment, ont des lois différentes. Aux États-Unis, ça a l'air beaucoup plus Far West déjà, si on voit ce que Equifax a été capable de faire et ce que Facebook font. L'un d'entre vous a déjà lu le contrat d'utilisation de Facebook, ils sont beaucoup plus libéraux sur leur utilisation des données. Le gros problème qu'on va avoir dans un futur très, très proche, c'est que l'Internet, c'est international. Nos données sont internationales, on utilise tous des sites web à travers le monde. Alors, nos données, on doit être collectées par des compagnies québécoises, mais une fois qu'on est sur Internet, elles sont collectées par des compagnies internationales et peuvent se ramasser un peu n'importe où dans le monde. Et éventuellement, on va sûrement finir avec des abris de données, comme on a des abris fiscaux, des pays où est-ce que des compagnies peuvent mettre leurs serveurs,
collecter leurs données à partir de ces pays-là à travers Internet et pouvoir en faire ce qu'ils veulent. Nous, on caractérise BCT comme une innovation éthique, dans le sens qu'on est allé au-delà de ce que la loi permet aujourd'hui, puis on a mis en avant une entente d'éthique, de dire voici ce qu'on va faire avec ces données-là, pour nous volontairement se positionner comme un joueur de confiance auprès du citoyen. Mais ça prend, je pense qu'on l'a mentionné, ça prend il faut savoir, il faut connaître, il faut avoir nous-mêmes fait cette réflexion-là, puis dire qu'est-ce que je veux faire avec l'entreprise que je vais créer. Donc après, je suis d'accord aussi, c'est qu'à un moment donné aussi, ça peut être un frein de ne rien faire, puis de réfléchir, parce qu'en ce moment, c'est beaucoup plus coûteux pour une ville de ne rien faire aujourd'hui que de commencer à faire quelque chose. Il n'y a personne chez Facebook qui peut voir les données. Les algorithmes des gens peuvent aller voir les données, mais pas les gens qui travaillent chez Facebook. C'est extrêmement précis. C'est la même chose chez Google. Ils s'assurent que ça soit fait très, très, très sérieusement parce que s'ils se font voler leurs données, c'est leur réputation complète qu'ils perdent. Alors, ils ont intérêt à ne pas être trop cow-boys, eux autres aussi. Là. Donc, en quelque part, je ne peux pas condamner les gens qui acceptent de dire à peu près tout sur leur vie privée sur Facebook parce qu'actuellement, on sent qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise situation qui en ressort. Il y a beaucoup de promesses qui sont là. Il y en a qu'on pense qui sont clairement atteignables, mais il y a des choses peut-être qu'on ne réussira pas à aller chercher. La voiture autonome, c'est clair qu'on est capable. Mais est-ce qu'on est capable d'avoir une intelligence artificielle, par exemple, plus développée qui pourrait interagir davantage avec vous? Dans certains aspects très précis, oui, mais jusqu'où on peut aller, ce n'est pas clair. Ensuite, ben, le big data, est-ce que ça peut tout dire? La réponse, c'est non. Il y a des fois où on n'arrive pas à faire percoler aucun signal de certaines données. Même si on pense que l'information devrait être là, on n'y arrive pas. C'est soit parce qu'on n'est pas encore assez bon, soit souvent, c'est parce que l'information n'est pas dans le big data qu'on analyse en ce moment. Les nouvelles façons d'analyser les données, ça explose tant du côté de la statistique que du côté de ce qu'on appelle de l'apprentissage automatique. Là, on fait des pas de géant. On a de plus en plus de puissance de calcul, ce qu'on n'avait pas avant. Entre autres, pour les réseaux de neurones, on s'est rendu compte qu'on était capable de faire des calculs 100 fois plus rapidement sur la carte graphique d'un ordinateur que de le faire sur la puce centrale. Parce que la plupart des calculs qu'on doit faire quand on fait de l'apprentissage profond sont déjà très bien intégrés dans une carte graphique. Mais il y a également un développement au niveau théorique puis au niveau du savoir-faire, de bons algorithmes qui sont bien structurés pour être capables de bien répondre à des tâches particulières. Quand on a trop de données, on se rend compte que toutes les variables sont importantes, tout a un impact sur tout, et finalement, on ne réussit pas à trouver la vraie connaissance scientifique qu'on cherchait. Et quand on a beaucoup de données, ça nous a forcé à développer des nouvelles méthodes. On ne peut pas simplement prendre des algorithmes qu'on a développés dans le passé sur un petit jeu de données, sur quelques centaines, quelques milliers de points de données, prendre ces algorithmes-là et les appliquer sur des données massives directement. Ils ne vont simplement jamais converger ou même jamais finir de faire leurs calculs. Les données massives vont mener à une explosion en informatique aussi, de nouvelles algorithmes, nouvelles techniques de représentation de données, de réduction des données et de traitement des données. Ça a l'air virtuel, des données, mais ça finit par être physique quelque part. Bien, c'est physique dans des centres de données comme ceux que Google et Amazon et Facebook construisent à travers le monde. Et c'est des bytes d'utilisation de puissance d'énergie. Et d'électricité qui doit être ensuite généré par des barrages électriques, par des centrales nucléaires, des centrales de charbon. Donc, la consommation électrique de ces centres-là et la consommation électrique, parce qu'on branche tous nos cellulaires à chaque soir, on doit les recharger, c'est quand même une utilisation électrique. Pas très grande pour une maison avec 2-3 cellulaires, mais tu fais la somme sur la population d'un pays. C'est une proportion importante de notre consommation électrique. Toute la production de cette électricité-là a effectivement un impact environnemental non négligeable.
C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit de plus en plus de recherches en conservation d'électricité dans les systèmes informatiques. Tout ce qui est optimiser les modes de veille, optimiser la désactivation de certains cœurs des processeurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés, tout dans le but de minimiser l'électricité utilisée par ces systèmes-là. Et les grandes compagnies, certaines grandes compagnies plus responsables, tentent de développer des centres de données optimisés pour réduire la consommation électrique. De un, pour diminuer leur facture en tant que compagnie. J'oublie, je pense que c'est Google qui avait fait designer son centre de données par un système intelligent, puis il était à une fraction de la consommation d'électricité des centres de données des autres compagnies. Il y a aussi les terres rares et tous les métaux lourds qui rentrent dans la fabrication de nos ordinateurs, qui ne sont pas très bien recyclés encore aujourd'hui. Fait que, donc, oui, il y a un impact, c'est sûr. Est-ce que c'est le même impact que le parc automobile? J'aurais tendance à dire que non. Mais il ne faut pas le négliger. Je ne dirais pas à mon jeune de 17 ans, tu devrais t'en aller camionneur. Parce que ça se peut qu'il y ait moins de jobs dans ce domaine-là dans les années à venir. Il n'y a pas 40 ans de travail devant lui, selon moi. Le radiologiste, maintenant, avec le nouveau système Watson, par exemple, qui est capable encore plus spécifiquement d'être capable de trouver les endroits propices sur une radiographie du côlon pour des endroits qui seraient potentiellement cancéreux, ça semble être meilleur que la plupart des experts. Okay? Donc, évidemment, on ne va pas remplacer le radiologiste, mais le radiologiste plus cet outil-là va pouvoir faire énormément plus. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup à nos quatre panélistes.